Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est 2 jours plus tard. Je suis Alistair. Bah, battons-nous. C'est parti. Ah, Alistair, moi je croyais qu'on allait se battre contre Sally, moi. Non, Alistair, c'est peut-être le petit-fils. Alistair, le champion d'arène, veut se battre. Alistair, le champion d'arène, envoie. Tu t'as fait. Ah oui, le Pokémon comme ça, un Pokémon fake. Moufouette, occupe-toi de lui. Nous avons les bracelets Gigamax. Nous n'allons pas les utiliser tout de suite. Il a 4 Pokémon. Il l'utilisera pour son dernier Pokémon sans doute. Utilisons Morsure, super efficace. Bien joué Moufouette. Boom final de Moufouette. Un vagabond, qu'est-ce qui se passe hein? Tout à fait, ennemi utilise sa cible. Augmente la trouille et ne veut plus attaquer. Ah, il a eu la trouille à cause de Morsure. Il a pas pu attaquer. Vous avez vu, c'est un Pokémon. Je suis trop fort. Morsure, le mec, il a quasiment 10 levels de moins. Bon, j'exagère, il a 6 levels de moins. Mais il arrive à faire peur à un Pokémon qui a 6 levels de plus. Bien joué, Moufouette, tu es le meilleur. Oui. Coup critique. Oh, Moufouette est blessé. Oh, Moufouette. Moufouette qui va passer un level peut-être? Non. Lister champion d'arène envoie. Mimiki, voulez-vous changer de Pokémon? Continuez sans changer. On garde Moufouette jusqu'au bout. Oh, t'es... Oh, y a un Pikachu! Mais je savais pas que Pikachu il avait changé comme ça. Non mais s'il y a des gens qui croient que je pense que c'est Pikachu, quand même le mec, je suis débilos, mais quand même, pas à ce point-là, je sais bien que c'est pas Pikachu. La précision du Mimiki augmente. Moufouette utilise morsure. Déguisement absorbe l'attaque. Déguisement de Mimiki ennemi tombe. Ah oui, Mimiki c'est les yeux, c'est le truc en bas en fait. D'accord, oh, c'est trop mignon. Mimiki utilise tranche. Bandarbar, tu as fait mal à Moufouette. Mon meilleur ami, tu vas prendre cher. Tu vas savoir ce que c'est, la douleur. Qui tranche. Ouch, ça fait mal. On va voir qui tranche lui. Allez, encore un tranche lui, c'est bon. Mais il va tuer mon panda. Il va tuer mon panda! En fait, c'est que ça, ce n'est plus un Pokémon spec. Mimiki est KO. Putain, c'est chaud! Bandarbar. J'ai pris cher, patron. Ça va être dur. Corayom, voulez-vous changer de Pokémon? Continuez sans changer. Je vais essayer d'utiliser une potion pour toi. Ah, là, c'est un Pokémon... Ah, mais c'est l'évolution du Pokémon de tout à l'heure, non? Il s'appelait Coray, je sais pas quoi. Sac. Utilisons... Super potion de Bandarbar. Vous utilisez une super potion? Merci, chef. Je régène. Je ne vais pas vous décevoir. Utilise châtiment. J'espère que je vais pas prendre autant de dégâts que les coups de la potion. Non, ça va. Ce n'est pas très efficace. Utilisons une deuxième potion, Bandarbar. Comme ça, tu régènes la totalité de tes points de vie et tu apprends au combat. Merci, patron. Utilise châtiment. Ça va, t'encaisse le coup. Bien joué. À toi d'attaquer maintenant. Utilise tranche nuit. Bandarbar. J'arrive jamais à dire son pseudo. C'est super efficace. C'est pas grave, patron. C'est bon, je lui ai cassé le cul. Et j'ai quasiment passé un level. Envoie électroplasma. Voulez-vous changer de Pokémon? Continuez sans changer. Je m'occupe de lui. C'est triste. J'ai peur. Alistair envoie électroplasma. Ah mais c'est son dernier Pokémon. Il va faire un Dynamax. C'est son dernier Pokémon. Utilisant Dynamax. Sinistromax. Électroplasma Gigamax. Déploie ton ombre.
Waouh! Électroplasma! Et tu croyais quoi? Moi aussi! J'ai Pandarbar! Gigamax! On l'avait déjà vu en Gigamax, je crois. C'est parti! Le retour! Merci, patron, d'avoir fait confiance. Je vais m'occuper de lui. Electroplasma utilise Toximomax. C'est bon, Panda Barbare a tenu. Maintenant, est-ce que tu vas pouvoir résister à cette attaque? Wouah! Le problème, c'est que j'aurai pas le temps d'attaquer en premier. Il faut que je soigne. Est-ce que ça vaut le coup de le soigner? Je sais pas, mais on va essayer de le soigner et... utilise une super potion. En espérant qu'il prenne un peu moins cher de cette... Ouais, il rattaque avec Soxinovac, donc il va reprendre les mêmes dégâts. Oh, ça le tue! Non! Pandarbar! Non! Pardon, chef. Excusez-moi, patron. Il reste Bleuzeil. Putain, on aura pris cher, hein. Pokémon combat compliqué. On a bien fait de prendre 3 Pokémon ténèbres. Bleuzeil. Bleuzeil. Pourquoi je dis Bleuzeil? Bleuzeil. Bleuzeil. Il a pas d'attaque. Puissance 20. Arrogance, ouais, ça devrait suffire. Et trop passe pas utilise Toxinomax. Bleuzeil, Bleuzeil et KO. Non! Tu l'auras voulu. Je fais appel à Pyrobut. Crabe et Pokémon célèbre. Et ça y est, tu perds ta transformation. J'ai tenu suffisamment longtemps. Tu as perdu 3 Pokémon. J'ai perdu 3 Pokémon. C'est maintenant le combat ultime. Ballon brûlant. Pyrobut! Finis-moi ce Pokémon Spectre! Electroplasma et KO. C'est bien, garde le sourire, mon pote. Mais t'as perdu. Votre épique gagne de l'expérience. Oui, boum! Montée de level de Farfuret. Mais les autres prennent 0 XP, c'est dommage. Vous avez battu Alistair. Boum, on t'a battu! Tu es trop fort, j'ai failli en perdre mon masque. Et qui remporte 5 760 €. Oh! Bleuzeil évolue? Comment il peut évoluer? Il était KO. Bleuzeil évolue en Corvelus. Corvelus, c'est un Pokémon. Ils ont été ajoutés au Pokédex. C'est un Pokémon vol et acier. Et non plus du tout ténèbres. Donc on peut jouer Panda Barbare pour combat ténèbres et on peut jouer Corvelus pour vol acier. Grâce à son adresse remarquable au vol et à sa grande intelligence, il travaille comme taxi volant de Galar. Eh oui, il est malin. Putain, c'était la dernière évolution. Corvelus veut apprendre aile d'acier. Voulez-vous qu'il oublie une capacité pour apprendre aile d'acier? Oui, oubliez une capacité. Arrogance, c'est un peu... c'est provoque qui est un peu nul. C'est parti, aile d'acier. En fait, provoque, c'est fort si tu es face à un Pokémon qui de type sol et qui fait que des attaques de sol et qui, genre, bah, il rate toutes ses attaques vu que toi, t'es en l'air. Donc, ouais, ça peut être intéressant dans ce genre de cas. De garder provoque. Waouh. Oh, quelle force. Tiens, le badge spectre. Et boum! Un badge supplémentaire! Le quatrième badge du joueur français! Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 40. Bon, bonne chance pour la suite. Et boum! Et...
Tu as gagné contre Alistair. Toutes mes félicitations. Tu as bien mérité cette CT. Vous aurez la CT77, châtiment. N'oublions pas qu'on n'en utilise aucune des CT pour le moment. Attaque acharnée à cause davantage de dégâts à l'ennemi, s'il a un problème de statut. Et aussi un uniforme de Tic-Spectre. Ah, on aime bien l'uniforme de Tic-Spectre. Est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser? Ça irait avec le code 666, The Number of the Beast. Uniforme Spectre. Ah mais j'en ai un uniforme, mais je le mets, faut que je le mette où pour pouvoir l'équiper sans devoir l'acheter? Et le psy, il est quand même stylé. Hein. Acier, ouais non. Roche, combat. En fait c'est ceux qu'on n'a pas. En fait on les gagne petit à petit. Ouais, c'est ceux qu'on n'a pas. Ce sera tout? Oui, ou c'est peut-être ceux qu'on peut pas avoir. Merci. Comment je fais pour équiper des trucs? Vous avez terminé la mission. Félicitations. En récompense, vous avez désormais accès à plus de produits de nos établissements. Mais je parle et j'en oublie les bonnes manières. Bienvenue à la boutique Pokémon. Que désirez-vous faire? Ah, on a les Super Balls. Bon, on en avait déjà. Hyper Potions. Ah ouais, 1500. Bon, pour le moment, c'est les Super Potions qu'il faut acheter. En acheter 5. Ça suffira. Voilà. Voulez-vous autre chose? Non. En espérant vous revoir bientôt. Il ne nous reste plus qu'à explorer la ville. Parce que on est arrivé comme des voleurs. Hein. Voltou! Ah, c'est Nabil? Ah non. Ah. Sonia, je crois que mon Voltoutou t'apprécie. Quoi qu'il en soit, tu tombes à pic. Je suis venu ici pour voir la fameuse fresque d'Olchester. On dit qu'elle relate l'histoire du héros de Galar. Et ça pourrait m'aider dans mes recherches. Mais il paraît qu'elle a fait l'objet de travaux de restauration. J'espère qu'elle est quand même restée fidèle à l'œuvre originale. En général, tu as le don pour mettre le doigt sur les détails intéressants, donc j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour avoir ton avis. Oh, j'ai un rancard, les potes! Iker, le beau gosse. Eh ouais, les potes. Eh ouais, les potes! Eh ouais, eh ouais. Eh ouais. Que c'était ça? Ça venait de l'endroit où se trouve la fresque. Allons voir. Viens, vole toutou. Oh putain. C'est vrai que ça fait longtemps. Mon équipe est pas soignée. Si, elle est soignée direct, c'est bon. Ce qu'il faudrait, c'est que je change Moufouette. Je suis désolé, Moufouette. Je t'aime beaucoup. Après, on pourrait le voir en quoi il évolue. Peut-être. Mais Pandarbar, j'ai envie de le garder. Corveluche, je le garde. Farfuré, Galvar. En fait, là, ce qu'il nous faut, c'est un nouveau Pokémon plante. Donc, les potes, on va utiliser Croquine. Et voilà. Et on joue Croquine pour le moment. L'ombre, c'est un Pokémon plante aussi, non? Pokémon eau et plante. Ah, ça fait les deux. Bah, en fait, c'est ça qu'il nous faudrait. Eau et plante. Le problème, c'est que eau et plante, c'est que c'est faible contre le feu, quoi. On utiliserait quoi contre le feu? Contre le feu, il nous faut un Pokémon eau et queue flotte. Donc, c'est Tritosaur. Mais je peux pas avoir tous les Pokémon du monde aussi. Farfuré, tu dégages. Je suis désolé, Farfuré. Je t'aimais bien, mais on va utiliser Tritosaur. Apparemment, vous vouliez que je garde Tritosaur. Donc, on a une équipe où Galvaran, j'aimerais bien le faire évoluer plus tard pour l'avoir en Pokémon électrique. Même si j'ai pas regardé quand il level up s'il gagne beaucoup de points d'attaque spécialisée. Et peut-être, on change notre équipe. Voilà, notre équipe pour le moment, ça va être ça. Avec Croquine, le but, ça va être de faire évoluer Croquine rapidement pour qu'elle rattrape les autres et qu'elle puisse faire la différence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un énorme bruit en provenance de la fresque. C'était un coup de pub pour attirer les touristes? On y va. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Vite, allons-y. Bonjour madame. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Tu es un challenger? Oui, je suis un challenger. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh, il a tagué! Il faut l'arrêter! Pourquoi hésites-tu? Détruis-tu? Détruis tout. Il faut tout détruire si on veut récupérer les étoiles veuves. Pachi! Plus il me faut plus d'étoiles veuves si je veux que le président m'accorde sa reconnaissance. Pachi Rajak, tu es le Pokémon du président Cheroz, non? Tu devrais être content de l'aider dans sa quête d'étoiles veuves. Allez, un peu de nerf. Mais what the fuck? Mais quel truand! Arrêtez-le! Je rêve encore toi, tu es vraiment pénible ma parole.
Laisse-moi deviner, tu viens d'avoir l'idée du siècle. Rassembler des états-le-vœux pour t'attirer de bonnes grâces du président, c'est ça? Tu as fini par comprendre à ce que je vois. Il t'aura fallu du temps, mais si tu crois que je vais te laisser faire, tu mets le doigt dans l'œil, jusqu'au coude. Je ne laisserai personne se dresser au travers de ma route. Travis le dresseur veut se battre. Oh putain les potes! Ça part complètement en couille! Envoie Meios. Je sais absolument pas quel Pokémon utiliser contre Meios. C'est un Pokémon de type quoi ça? Insecte, ruche, spectre, dragon, ténèbre, acier, fée, poison, combat, glace, électrique, plante, eau, feu. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est comme type de Pokémon ce truc. Mais ce qui, une chose est sûre, c'est qu'on va pas le faire affronter ce truc. Corvéus, tu vas bouffer une bactérie. Je te sens chaud. Corvéus. Pression. Corvéus augmente la précision. Meios utilise choc psy. Oh, choc psy face à un Pokémon ténèbre. C'est ténèbre qui est fort face à Pokémon psy. Non, c'est spectre. C'est pas grave alors. Bouffe-le. Utilise Bec-Vrille. On va le bouffer. Je pense il va prendre cher. Voilà. Je vois que j'ai encore affaire à du menu fretin. Utilise choc psy. Corvéus, tiens bon! Yes, tu as très très bien tenu. Ce n'est pas très efficace. Bec-Vrille. Super potion. Oh non, il soigne son Pokémon, le salaud. Mais il va pas le soigner suffisamment, il va quand même mourir peut-être. Utilise Bec-Vrille. Allez, finis-le quand même! We are the champions, my friend! Je sais, j'ai raté une carrière de champ. Ah, pas du tout. Votre équipe a gagné des points d'expérience. Bandarbar monte au niveau 34. Croquine monte au niveau 16. Il apprend Trancherbe. Croquine veut apprendre Doux Parfum. Voulez-vous oublier une capacité? Oubliez une capacité. Doux Parfum. Un Doux Parfum qui réduit énormément l'esquive de l'ennemi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Croquine n'a pas appris Doux Parfum. Au secours, je vais me moucher. Tous aux abris. Mesmerella, voulez-vous changer de Pokémon? Changer de Pokémon, remettre Croquine, et on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que le Pokémon il faut mettre en face. Ah, c'est trop bien. Croquine. Travis le dresseur envoie Mesmerella. Oh, elle est trop mignonne. Mesmerella, ça va être encore un Pokémon psy. Donc, équipe. Et on va utiliser... On n'a rien contre les Pokémon psy. On n'a pas de spectre. Qu'est-ce qui est fort contre psy aussi? Bah, spectre, c'est tout. Et Corvéus, quoi. Corvéus, il déchire, quoi. On va utiliser... Ah oui, mais Pokémon psy contre Pokémon combat, ça roule dessus. Donc ça va être un petit Pyrobut. Mais Pyrobut, il a un peu combat. Mais enfin, non, il a une attaque combat, mais il n'est pas de type combat. Et c'est une différence, mon cher Iker. Et ouais, vous avez tout à fait raison, n'est-ce pas? Pyrobut. Mesmera utilise Rafale Psy. Ça va, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Tandis que moi, j'utilise Ballon Brûlant. La passe, la passe. Allez, prends ça, Mesmerella. Bon, salut. On t'aime bien. Mesmerella ennemi est KO. Et Croquine, votre équipe a gagné des points d'expérience, Croquine. Pou, 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 je suis level 18. Pyrobut monte au level 40, les potes, 40. Croquine monte au level 18. Travis le Desseur envoie un Ponyta. Voulez-vous changer de Pokémon? Changer de Pokémon. Contre un poney, nous allons utiliser... Allez, on va utiliser Pandarbar. Qui, lui, est combat à ténèbres. Donc, en fait, lui, il est censé prendre cher face à un Pokémon aussi. Mais on va rigoler. Je suis prêt, patron. Cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Je ne tomberai pas KO. Ponyta! Oui, il est mignon! Super. Ah oui, on a quand même super efficace tranche nuit. En fait, ça c'est vent féerique. Ah, il attaque un pouvoir fée donc on s'en fout. C'est super efficace. Ah, fée c'est fort contre tout. Moi aussi c'est super efficace. Je
t'ai rendu l'appareil, sale poney. Moi, je préfère les pandas. Et Croquin qui prend encore un level, Galvaran qui monte encore un level. Croquin qui monte au level 19. Bien joué. Chapotus, voulez-vous changer de Pokémon? Chapotus, oui, on va utiliser Croquin. Tom, il a 1 milliard de Pokémon, Travis. Là. C'est son 5ème, là. 4ème, 5ème. On va regarder. J'ai pas regardé au départ. Croquin, t'es toute mimi, Croquin. Je vais gagner pour le président. Je ne te laisserai pas me priver de ma raison d'être. Ouais, bah, c'est bon, calme-toi. Hein. C'est juste un combat de Pokémon. Oh, il est trop mignon. Faudrait me le donner. On va utiliser... Ah, mais j'ai un Pokémon O, j'ai Tritosaur. Mais Pokémon O, c'est nul. On fera ça. J'ai Pokémon O, Sol. Je pense qu'on a une bonne équipe. On a un peu des solutions face à tout, sauf qu'on n'a pas de Pokémon Psy. Donc on n'a pas grand-chose pour combattre des Pokémon... En fait, il faudrait qu'on ait un 7ème Pokémon. Avec un 7ème Pokémon, ça passerait. Ha ha. Ce n'est pas très efficace. Corvelus, il a un mental d'acier. Et ça, c'est important. Pengvrille. Le problème, c'est que c'est un Pokémon ténèbre. Ah non, c'est pas un Pokémon ténèbre, Corvelus. C'est juste qu'il a une pauvre attaque ténèbre qui s'est perdu. Il s'est perdu avec sa Pokémon ténèbre. C'est vrai que c'est un Pokémon vol acier. Mais bon, il tient très très bien. Parce qu'il aime bien bouffer, Corvelus. Donc il reste fort. Pengvrille. Yiboum! Bah alors, Travis! Bah alors! Tu vas ranger l'éléphant, là, très très vite. Et tu vas arrêter de nous faire un. Hein? Votre équipe a gagné des points d'expérience. Et Croquin passe level 21! Yiboum! Croquin veut apprendre feuille magique. Voulez-vous oublier une capacité? Oubliez une capacité. Feuille magique, les potes. 62 puissance, c'est mieux que trancherbe. Le lanceur disperse d'étranges feuilles qui poursuivent. L'ennemi n'échoue jamais. C'est pour ça qu'il y a précision 0. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'ai fait une connerie! Oh le con! Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est pas sa meilleure, ça sera pas sa meilleure attaque. Croquin évolue! Bah, logique, oui. On lui a fait passer 11 levels en un combat. Croquin évolue. Félicitations, Croquin évolue en Cordine. Magnifique. Magnifique, les potes. Les données de Candine ont été ajoutées au Pokédex. C'est bon, c'est que un Pokémon planté, c'est ce qu'on cherche. Lorsqu'un Bleuzeil le picore, il commence par se défendre avec son calice et lui assène ensuite de violents coups de pied. Ça va, il n'y a pas de Bleuzeil dans notre équipe. C'est un Corvelus, il a fini de manger des Candines. Je n'arrive pas à y croire. Comment un minable hostile se dresser sur mon chemin de ma grandiose destinée. J'ai été choisi par le président en personne. Je suis celui qui doit vaincre le maître. J'incarne l'élite de ce pays. Le futur de Galar repose sur mes épaules. Comment ai-je pu perdre? Travis! J'étais curieuse de savoir pourquoi tu souhaitais emprunter le Pachiraja du président Sherrose. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était pour détruire ses vestiges. Et alors, quelle importance ces vestiges! C'est notre avenir qui se joue, le millénaire à venir! Ce n'est pas avec ce genre de scrupules que vous arriverez à servir le président. Travis, ça me brise de cœur d'avoir à te dire cela, mais je suis profondément déçu. Quand je t'ai rencontré, tu étais si jeune et si seul. J'étais ému. C'est pour cela que je t'ai envoyé à l'école des dresseurs. Je retrouvais en toi l'enfant que j'avais été. Comme moi, tu as été endurci par l'adversité. Mais qu'as-tu fait, malheureux? Tu as osé t'en prendre à l'histoire de Galar. Abîmer une fresque? Tu n'es pas digne du défi des arènes. Je déciderai de ta sanction plus tard. Mon cœur est trop rempli de déception pour l'instant. Je retourne immédiatement à Kinkanam et attends-moi là-bas. Vous plaisantez, monsieur. Pourquoi me disqualifierez-vous? Vous qui m'avez choisi, recommandé même. Je suis votre protégé. Allons, je vous en prie. Vous ne pouvez pas faire ça. Travis, donne-moi les étoiles vœux que tu as rassemblées. Vous êtes en état d'arrestation. Travis a réussi à s'enfuir. Ah non, c'est bon. Sonia, Iker, quelle tragédie. Oh, quel crève-cœur. Une telle fin pour un challenger, ça me donne envie de pleurer. Mais le défi des arènes doit rester un modèle de vertu avant tout. Bon, quelque chose me dit qu'on va le revoir. Purée, j'ai de la peine pour Travis. Je me souviens bien de sa présentation pour le défi d'arène. Il n'a plus de famille. Il disait qu'il voulait se battre pour le président. Qui a tant fait pour lui, le pauvre? Oh là là, ça va créer un monstre.
J'espère que la fresque n'a pas trop souffert. Mais c'est censé représenter quoi? Oh non! Un corps Vénus? Ah non, pas du tout. Mais j'ai compris! Eureka! Pas du tout. Moi j'ai rien compris, elle va nous le dire, voilà. Ah oui, il y a les deux mecs derrière. J'allais dire catastrophe, mais regarde, qui aurait imaginé trouver de telles statues ici? C'est forcément lié à cette fameuse légende. Qu'est-ce qui te frappe le plus? L'épée et le bouclier. Oui, ces créatures tenant une épée et un bouclier se démarquent clairement du reste. On dirait deux Pokémon. Est-ce que tu remarques autre chose à part ça? Il y a deux héros. C'est comme sur les tapisseries. Exactement, il y avait donc deux héros. Mais alors pourquoi n'y a-t-il qu'une seule statue dans le hall de Rose Bouton d'Or? Ces sculptures sont les véritables témoins, les clés de la vérité sur le passé, bien plus que les tapisseries ou la statue. Ce qui veut dire que l'épée est un Pokémon, le bouclier est un Pokémon. Le bouclier est un Pokémon. C'est ce que je me disais. Avec le temps, les Pokémon et les armes ont commencé à ne faire qu'un dans la légende. Ainsi, l'existence des Pokémon a été doucement effacée de l'histoire. Donc, il y a deux jeunes héros, et l'épée et le bouclier sont leurs Pokémon. Mais pourquoi cacher ces ruines? Est-ce qu'elles nous révèlent derrière une œuvre d'art? Tu réalises l'importance de cette découverte? Je suis heureuse d'avoir vécu ça à tes côtés. Tiens, prends ça, un événement pareil, ça se fête. Ça te servira bien pour le défi des arènes. La prochaine étape pour toi, c'est Corifei. Vous recevez deux rappels, merci. Vous mettez les rappels dans la poche soin. Iboub! C'est magnifique! La jeune femme qui étudie les vestiges, elle s'appelle Sonia, c'est bien ça? C'est la petite fille de la professeure Magnolia? Oui. Je préférais la fresque. quoi? Le héros des légendes était en fait deux personnes et deux Pokémon? Et oui! J'ai fait des affaires du tonnerre aujourd'hui. Ne faites pas ça dans les escaliers, c'est dangereux. Un petit rappel max. Ah, ça c'est fort, rappel max. Ça rappelle le truc, mais ça le refait venir à full life. Topi. Mais non, mais c'est pas là que je veux aller. Ah, c'est de l'arène. Je voulais aller dans un endroit pour... Est-ce que je change mes Pokémon? En fait, là, ce qui me manque, c'est un Pokémon psy dans mon truc. Mais c'est quel Pokémon qu'on pourrait ne pas avoir? Est-ce que c'est fait exprès pour qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir tout? On a un Pokémon plante, Pokémon combat ténèbres, on a un Pokémon acier machin, Tritosaur sol feu. Il manque un Pokémon psy. Hein. Il manque un Pokémon psy. Il est où le centre Pokémon? Là. Je vais aller soigner mes Pokémon. Parce que j'ai des Pokémon psy, hein, que j'ai capturé, que vous avez pas forcément vu parce que j'ai fait avec mon neveu et ma nièce, on a capturé des Pokémon. Donc j'ai des Pokémon psy à faire gagner. Putain, et mon équipe a commencé à ressembler à quelque chose. Hein. Juste faire évoluer Galvaran et on est bien. Et puis Croquine, Candide en dernière évolution, mais. Il y a des Pokémon mignons psy que j'aimerais bien utiliser quand même. Mais à la place de quoi pour le moment? Pokémon haut, peut-être que pour le moment je peux m'en passer. Il level, c'est Galvaran qui est 37 que je peux peut-être me passer parce que de toute façon je peux pas le faire évoluer tout de suite. Électrique c'est contre haut et haut on l'a déjà fait. Oh non, haut on l'a pas déjà fait. Si en haut on l'a déjà fait. Je pense que le mieux ça serait de changer Galvaran. Mon neveu n'est pas là donc vu que c'était le Pokémon préféré de mon neveu je peux le changer. Psytigris, donc Psytigris pourquoi pas. Hein. Psytigris ou Kulbutotektoke. Mais je serais plutôt pour Psytigris. Il est parce que il est mignon. Il est mignon le Pokémon quand même. Hein. On Galvaran et on met Psytigris là. Et donc on a deux Pokémon 20 plus à faire évoluer. Mais bon le reste c'est une équipe solide. Hein. Le reste ça reste une équipe très 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 chaud du cul quoi. Bon, faut pas m'embrouiller quoi. Moi j'aime bien faire évoluer comme ça des petits Pokémon de temps en temps. Ça fait des petites surprises. Faut aller par où? Au secours! C'est par où maintenant? Carte? Ah, je croyais que c'était par là, à gauche, il devait y avoir un chemin. Pas du tout. En fait, faut aller par là.
C'est Corifei, donc il faut continuer. Par là. Bonjour madame. Pour aller à Corifei, il faut traverser la forêt de Lumirin. Mais c'est difficile de s'y orienter, je te conseille de toucher les champignons pour t'y retrouver. Ok, bah ça sera dans le prochain épisode. La forêt maudite, ou la forêt je sais pas quoi. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 jours pour la suite de ce let's play incroyable de Pokémon en ma compagnie. Merci encore, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager et de commenter. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 jours pour l'évolution de nos 2 nouveaux Pokémon attitrés à l'équipe. Allez, ciao.